Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité ce soir, quatre ambassadeurs tchadiens ont partagé ce matin leur expérience professionnelle avec les élèves de l'École nationale d'administration ENA. C'était en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudengar. Dame Gélit Nejoël, reportage. À ce grand rendez-vous de l'École nationale de l'administration, deux regards de l'appareil diplomatique tchadien se croisent en vue des perspectives meilleures. Au panel, quatre ambassadeurs accrédités à l'extérieur partagent leurs expériences avec les élèves de l'ENA, futurs cadres de l'administration et de la diplomatie tchadienne. Plantant le décor, le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye, rappelle que cette activité s'inscrit dans le cadre des réformes de son institution voulues par les plus hautes autorités, mettra à la disposition de l'administration des cadres pétris de connaissances théoriques et pratiques. Après avoir décliné son parcours à l'assistance, Mariam Ali Moussa, ambassadeur du Tchad en Allemagne, exhorte les énarques à se mettre résolument à l'école du savoir pour être des agents irréprochables sur le plan professionnel. Elle les invite à suivre normalement l'évolution de leur carrière une fois sur le terrain et à éviter la recherche effrénée des postes de responsabilité. Gauté Galikoutou, diplomate en poste à Washington, s'est étalé sur les différents aspects de la diplomatie avec un accent particulier sur la diplomatie économique, paradigme en vogue dans les relations internationales. L'ancien énarque Gauté Galikoutou rappelle à ses cadets que leur choix professionnel est un sacerdoce. Pour cette raison, ils doivent éviter la facilité, avoir la conscience qu'ils ont une grande responsabilité et à cet effet éviter la course à l'enrichissement illicite. Amo Aziza Barout, ambassadeur du Tchad à Bruxelles, dévoile quant à elle aux énarques leurs obligations d'apporter une influence positive au fonctionnement de leur société. Pour cela, ils doivent être jaloux de leur indépendance et avoir à l'esprit qu'ils sont au service de leur pays et non d'un individu. Elle les invite également à s'adonner à l'entrepreneuriat et au bénévolat pour apporter une plus-value dans la société. Ahmad Makaila, représentant du Tchad à Genève, a mis en exergue la question de la promotion des Tchadiens dans les institutions internationales. Il demande aux énarques d'apprendre la langue de Shakespeare, car à l'international, l'ouverture est difficile sans la connaissance de l'anglais. Les élèves de l'ENA et les invités à ces assises ont émis des préoccupations relatives à l'évolution des relations internationales et à la conférence des ambassadeurs qui vient de s'achever. La Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé, une institution placée sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, a tenu cet après-midi dans les locaux du Centre national de recherche pour le développement sa toute première session annuelle, une session au cours de laquelle des mesures relatives à la formation, à la fermeture des établissements d'enseignement supérieur privé a été adoptée. Varelati. Cette toute première session ordinaire annuelle de la Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé se fixe comme objectif la réglementation des établissements d'enseignement supérieur privé au Tchad. Au cours du conclave, 37 dossiers sont soumis à l'appréciation des cadres et responsables du secteur de l'enseignement supérieur de la capitale et ceux des provinces. Dans les 37 dossiers, il y a 17 demandes de nouvelles créations d'instituts. C'est les 17 dossiers étudiés. Donc il y a 6 qui ont eu un avis préalable. Donc c'est des agréments. La qualité de l'enseignement supérieur comme étant une priorité du gouvernement, la Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé entend redonner le blason du secteur de l'enseignement supérieur. Il s'est avéré que la majorité de nos établissements ont transgressé un peu leur champ habituel pour former dans le domaine de la santé. Donc c'est pourquoi une commission interministérielle mixte est mise en place. Donc autour de cette commission, c'est cette commission-là qui va examiner tous les dossiers et en même temps élaborer les textes nécessaires pour conditionner un peu la création dans le domaine de la santé. Quelles sont les conditions minimales pour un institut quelconque d'ouvrir de formation en infirmier, en biomédical, en ID, etc. Cette initiative des membres de la Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé cadre avec la vision des pouvoirs publics, celle d'assurer un meilleur encadrement aux jeunes progénitures.
Voilà, parlons politique. Les lampions se sont éteints sur le troisième congrès du parti Al-Wasat pour la justice et le développement. Le président Abderrahim Younous a été reconduit à la tête de cette formation politique. Adef Ahmed Benrama. Présidents et secrétaires généraux des partis politiques alliés, au rang desquels le secrétaire général du MPS, Mahamat Zine Bada, ont honoré de leur présence la cérémonie de clôture des travaux du troisième congrès ordinaire du parti Al-Wasat pour la justice et le développement. L'une des décisions phares du congrès est la reconduction du président national du parti Al-Wasat, Dr. Abderrahim Younous Ali. 200 membres du comité central sont également désignés à ces assises. Dans leurs travaux, les congressistes ont eu à réadapter les textes statutaires du parti au contexte actuel en accordant une attention particulière aux élections à venir. À en croire le président du Présidium, Mansiri Lopsikreo, l'objectif premier est de remporter plus de sièges à l'Assemblée nationale et aux communes aux prochaines élections. Dans les recommandations, les militants demandent la consolidation de l'alliance avec le MPS et au gouvernement, le respect du quota accordé aux femmes dans les instances des décisions, l'application du bilinguisme et la poursuite du dialogue avec la plateforme syndicale revendicative. Les délégués de la capitale, des provinces et de l'extérieur se disent résolus et décidés à apporter leur soutien indéfectible à leur hiérarchie politique et à se mettre en ordre de bataille. Des remerciements sont adressés au président de la République et à la Première Dame pour les multiples efforts déployés et réaffirment leur fidélité à cette alliance avec le mouvement patriotique du salut. Le président du parti Al-Wasat, Dr. Abderrahim Younous Ali, remercie vivement ses camarades pour cette confiance renouvelée en sa personne et marque sa disponibilité constante à mener à bien cette nouvelle mission dans le cadre de l'alliance avec le MPS. Je suis ravi de la confiance renouvelée à mon égard, malgré que j'avais déposé ma lettre de démission et j'accepte de conduire le parti Al-Wasat pour un nouveau mandat, mais toujours avec votre soutien. S'agissant des recommandations, Dr. Abderrahim Younous Ali rassure de veiller à leur application. Pour lui, Al-Wasat est un parti de tous les Tchadiens. Il prône un Tchad uni, débarrassé de tout clivage confessionnel et tribal. Dans son discours, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, par ailleurs président de l'Alliance de la majorité, salue la mobilisation des militants de ce parti allié. Mahamat Zine Bada appelle encore à plus de mobilisation pour les prochaines élections. Un extrait de ses propos. Cela démontre clairement que la majorité présidentielle est prête. La majorité présidentielle est prête pour aller aux élections. Que ceux qui ne croient pas qu'il y aura des élections continuent à le croire, ils vont se réveiller douloureusement. Je transmettrai fidèlement, Monsieur le Président, les félicitations et les remerciements que vous avez adressés à l'endroit du Président de la République et de la Première Dame. Et nous avons constaté, mes amis, les chefs des partis politiques et secrétaires généraux des partis de la majorité. Nous avons constaté et nous avons compris, principalement moi, j'ai très bien compris la position du parti Al-Wasat qui se trouve derrière le président de la République et je demande que vous continuiez à le faire. Je transmettrai fidèlement cela et notre soutien ne vous fera pas défaut. Le parti Al-Wasat n'a jamais trahi. Le parti Al-Wasat ne s'est jamais soustrait des actions de la majorité présidentielle. Qu'il s'agisse du soutien apporté aux candidats de la majorité en 2016, Al-Wasat était là. Qu'il s'agisse
de la rencontre à un très haut niveau ici dans cette salle qu'on avait appelé le forum inclusif. Al-Wasad était là. Dans le dialogue entre les partis politiques pour la mise en place du CNDP, Al-Wasad était là. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que votre président, monsieur le président vous-même, vous faites partie de ce groupe de la majorité qui soutient la politique du président au CNDP. Voilà des propos recueillis par Adef Amat Benrama. Le comité interministériel chargé du suivi des instruments juridiques internationaux en matière des droits de l'homme renforce les capacités de ses membres. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le ministère de la Justice. Mamad Seyd Abakar. Le comité interministériel chargé du suivi des instruments internationaux en matière des droits de l'homme, les membres sont outillés pour agir avec précision. Ils disposent désormais des techniques d'élaboration de rapports périodiques relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Le comité interministériel a fait beaucoup d'efforts et je crois qu'en 2 ans, nous avons fait beaucoup de rapports et il ne faut pas du tout se sentir inutile. Nous avons fait beaucoup pour notre pays et je crois que les plus hautes autorités nous suivent. Le représentant du bureau pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Yondoli Komi, a réitéré la disponibilité de son institution pour accompagner le gouvernement dans le processus de la validation de la feuille de route élaborée à cette occasion. Il rassure que le tableau du Tchad en matière des droits de l'homme sera en vert dissipé. Et puis, fin hier, des travaux de l'atelier d'élaboration du plan stratégique des laboratoires organisé par le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'OMS et l'Union européenne. Ces assises ont permis aux techniciens des laboratoires et aux experts d'asseoir les bases d'un système de laboratoire performant au Tchad. Précision, Ngayem Benguiri. Le laboratoire est un élément essentiel de tout dispositif de santé car il permet de faire le diagnostic et de déterminer toute maladie. Cependant, force est de constater qu'au Tchad, le système des laboratoires n'est pas très développé. Ainsi, le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Santé publique, a pris conscience de toutes ces difficultés en créant depuis 2016 une direction des laboratoires au sein du dit département. Depuis la création de cette direction, les techniciens ont procédé à une évaluation du système des labos. De cette évaluation, il ressort que sur le plan national, le taux est faible. Pour rendre plus performant ce domaine, les techniciens et les experts sont réunis autour de cette table pour définir et élaborer le système des laboratoires tchadiens. Nous sommes partis de l'évaluation du système des laboratoires. Nous sommes arrivés à l'élaboration d'une politique nationale des laboratoires qui aujourd'hui se traduit dans ce plan qui nous permet de jeter la base de notre système des laboratoires. Raison pour laquelle nous avons pris des engagements au niveau des différents départements ministériels ici réunis pour faire un travail en équipe par secteur pour finaliser ce document. Le secteur de la santé concerne également plusieurs autres secteurs. C'est pourquoi il est nécessaire d'intégrer les autres ministères comme celui de l'élevage, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et celui de l'environnement en vue d'asseoir les bases du système des laboratoires dans le cadre du concept Une seule santé, comme l'a souligné le directeur des laboratoires médicaux. Voilà, et là nous quittons la salle pour le laboratoire et nous sommes à la clinique La Providence, lieu choisi pour le dépistage du diabète. Pour cette journée, 200 personnes seront dépistées gratuitement à l'initiative de l'Ains Club International. Varelet. Le diabète. Cette terrible maladie touche de plus en plus de personnes. C'est fort de ce constat que le Lyon Club N'Djamena Doyen décide d'aller en guerre contre cette pathologie. C'est à travers le dépistage gratuit des patients. Cette opération s'inscrit dans le cadre du mois de novembre consacré à la lutte contre le diabète. Aujourd'hui, on a décidé d'organiser à la clinique La Providence cet événement. Et notre objectif, c'est lutter contre le diabète et c'est l'objectif du Lyon Club International. Avant de dépister le patient, il passe d'abord par une batterie d'examens. En premier, on installe le patient. On procède à un dépistage qui consiste simplement à faire soit une petite piqûre sur le majeur où on va retirer une petite goutte de sang, on le met sur une bandelette
associé à un appareil qui permet de donner une valeur de la glycémie capillaire. Cette journée de dépistage gratuit du diabète marque le point de départ d'une initiative qui va s'intensifier dans d'autres structures hospitalières de la capitale. Des patients souffrant d'autres pathologies seront aussi pris en charge gratuitement par le Lyon Club Ndjamena Doyen. Dans le reste de l'actualité, le projet régional d'électrification au réseau procède à la validation du rapport d'évaluation au marché solaire. Objectif faciliter aux ménages l'accès à l'électricité à moindre coût. Le point avec Falambi Sloga. Accroître l'accès des ménages, des entreprises et des collectivités à l'électricité au moyen des systèmes solaires autonomes modernes tels que les systèmes solaires domestiques, les pompes à eau solaire, les moulins solaires et les machines à coudre solaire par une approche régionale harmonisée est l'objectif du projet régional d'électrification hors réseau ROGEP. À travers cet atelier de restitution de l'étude sur l'évaluation du marché solaire photovoltaïque hors réseau au Tchad. Cet atelier d'une journée nous permettra d'examiner les difficultés et les défis liés à la promotion des technologies solaires hors réseau, ainsi que de la synergie d'action entre le ROGEP et les autres initiatives en cours dans le pays. Présentera l'état d'avancement du projet, présenter les résultats de l'étude, procéder à un examen approfondi du rapport que présentera le consultant et de faire des suggestions et des recommandations pour améliorer le document et valider le rapport d'évaluation de ce marché. Pour le directeur général du ministère du Pétrole et de l'Énergie, l'accès à l'électrification des ménages est le souci des plus hautes autorités. Sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, l'électrification au réseau est inscrite comme une priorité politique pour le gouvernement du Tchad, qui s'est engagé à réaliser un accès universel à l'électricité d'ici 2030. Au cours de ces assises, les participants échangeront sur l'état d'avancement du projet et procéder à la validation technique du document du rapport de l'étude. Le projet régional d'électrification hors réseau sera mis en œuvre dans 18 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans la province du Bahr el Ghazal à Moussoro, plus précisément sur place, les acteurs intervenant dans l'état civil repartent à l'école du savoir avec des chapitres importants pour renforcer leurs connaissances sur les procédures légales de déclaration et d'enregistrement de naissance et le fonctionnement du service d'état civil. C'est le gouverneur de la province, Tegen Edibey Berdé, qui a présidé les travaux. Amat Ali Daladouf. Commencé le 18 novembre dernier, l'atelier de formation des acteurs intervenant dans le système d'état civil sur les procédures légales de déclaration et d'enregistrement des naissances est arrivé à son terme. M. Ngartalum Bimia, directeur adjoint des affaires politiques et de l'état civil, a rassuré que les informations relatives à la déclaration des naissances sont bien assimilées par les participants. Durant 3 jours, plusieurs modules ont été développés par les formateurs, notamment la procédure légale de la délivrance et gestion des actes de naissance, le fonctionnement du système d'état civil, le rôle des différents acteurs et le système intégré de gestion et de titres sécurisés. Les participants à cette assise ont formulé quelques recommandations au gouvernement, aux partenaires et aux autorités locales pour rendre accessibles des actes d'état civil et la vulgarisation de la loi numéro 008 du 10 mai 2013 portant réglementation des actes d'état civil en République du Tchad. Le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal, Tegen Edgey Berdé, a demandé aux participants de mettre en pratique les connaissances acquises au profit de la population. Je voudrais réitérer ici l'engagement ferme de son Excellence Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à mettre notre pays sur les rails et modernisation de notre système de l'État civil. Signalons que la formation est assurée par Ngartalum Bimia du DAPEC et Mbouringadnone Cyril de l'ANAT. Suite à l'effondrement d'un site d'orpaillage à Turco, une localité située à une centaine de kilomètres de Bardaï, le gouverneur de la province du Tibesti, Didier Abré, s'est rendu sur le site pour constater de visu les dégâts. Mamad Seyd Abakar. Turco, une localité située à 150 kilomètres de Bardaï, province du Tibesti, a une fois de plus été secouée par une catastrophe.
Il s'agit de l'effondrement d'un site d'orpaillage causant des morts d'hommes et de nombreux blessés. Malgré l'interdiction par le gouvernement, les orpailleurs mènent de manière clandestine cette activité. Alerté, le gouverneur de la province de Tibesti, Didi Habré, s'est rendu sur le lieu du drame. Très touché par ces malheureux incidents, le gouverneur a instruit les orpailleurs de quitter impérativement le site. Séance tenante, le gouverneur a mis sur pied un comité mixte chargé de déguerpir le site et d'arrêter les véhicules non immatriculés. Un délai de 15 jours a été accordé au comité pour mettre en application les mesures prises. Ce site d'orpaillage de la province du Tibesti, faut-il le rappeler, est à son troisième cas d'effondrement meurtrier. De son côté, Moussa Haouno Tirgo, gouverneur de la province du Logono Oriental, à la tête d'une délégation des forces de défense et de sécurité, s'est rendu dans la sous-préfecture de Larmaï, localité située dans le département du Mont-de-Lam, pour une séance de sensibilisation sur les maux qui empêchent le développement de cette localité. Aliaki. La sous-préfecture de Larmaï, dans le département du Mont-de-Lam, semble tristement battre le record de l'insécurité avec son corollaire de coupeurs de route et d'enlèvement des personnes contre rançon, le mal vivre ensemble avec les conflits intercommunautaires et éleveurs agriculteurs. L'éducation a également de gros plombes dans les ailes. Agacé par ces fléaux qui gangrènent la sous-préfecture et ternissent l'image de la province du Logone oriental, le gouverneur Moussa Haroun Tchurgo a fait le déplacement de l'Armanaï pour y mettre un terme. Face à la population tout azimut, le gouverneur a sommé les anciens qui traînent encore les pas à regagner d'urgence leur poste, aux parents de libérer les enfants des travaux champêtres afin qu'ils reprennent les cours, aux autorités administratives, traditionnelles, religieuses et à la population d'œuvrer pour la paix par la cohabitation pacifique, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité et de livrer l'information à temps. Aux forces de défense et de sécurité, de traquer les fauteurs de troubles à l'ordre public jusqu'à leur dernier retranchement, ainsi que leurs complices, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans la localité. Aucun militaire ne restera ici. Aucun gendarme. Nous allons relocaliser ailleurs. La République, elle est grande. D'ici un mois, si ces phénomènes ne s'arrêtent pas, nous avons l'obligation de affecté ailleurs. Si jamais les forces locales ne parviennent à venir à bout de ces fléaux, les sanctions sévères seront prises. Le gouverneur Moussa Haroun Tchurgo promet installer son quartier général à l'Armanaï pour combattre personnellement ces bandits de grand chemin qui écument la localité afin d'y instaurer la paix, la quiétude et la sérénité dans cette partie du Logone oriental. Droits des enfants, parlons-en encore. Les enfants, comme vous le savez, sont des êtres fragiles qui ont besoin d'amour et d'affection. Ils ont aussi besoin d'aller à l'école, d'avoir en fait accès aux services sociaux de base. C'est dans cette optique qu'une conférence débat est organisée ce matin au Centre Al-Mouna pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre de cette convention relative aux droits des enfants. Kamlar Habiba, Karim. L'enfant doit être préparé à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance. Tels sont les propos du docteur Abdelkarim Marcelin, qui milite pour le respect des droits de l'enfant. L'enfant est l'avenir de la nation. Pour atteindre cet idéal, il faut qu'il bénéficie d'une éducation de qualité. Mais malheureusement, de nombreux enfants vivant dans des milieux défavorisés n'ont pas accès à l'éducation devant les outils à affronter la vie future. Au quotidien, des voix se lèvent pour revendiquer leurs droits. Dr Abdelkarim fait donc un plaidoyer pour l'accès de tous les enfants à l'éducation. En plus des bienfaits que procure l'éducation, l'oratoire suggère au ministère en charge de l'éducation l'insertion d'une discipline sur les droits de l'enfant dès le primaire. Cependant, l'éducation des enfants n'incombe pas seulement à l'État, moins à la société civile, mais en partie à leurs parents. Pour les panélistes, l'État devrait se rassurer de la gratuité de ses services accordés à l'enfant, surtout dans l'établissement des actes de naissance qui fait avant tout de cet enfant un citoyen. Cette conférence débat permet de revoir les états de lieu sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l'enfant au Tchad.
Et puis le 25 octobre dernier, le gouvernement à travers le département de la femme a choisi la sous-préfecture de Kunjuru dans la province du Bata pour la commémoration de la journée internationale de la femme rurale. Ce matin, les ressortissants du dit département se sont retrouvés et ont organisé une rencontre de restitution à la maison de la femme. Reportage. Réunis dans la salle des conférences de la Maison nationale de la femme, les ressortissants de la sous-préfecture de Darkouka dans le Bata voudraient à travers ces retrouvailles présenter leur gratitude au gouvernement pour avoir choisi leur localité. Une localité qui a servi à la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2019. En portant le choix sur Kunjuru, d'après le vice-président du comité de soutien de Darkouka, l'État accorde un intérêt particulier à la question de l'autonomisation de la femme rurale. Nous avons vécu un bon moment de brassage, de partage d'expériences dans le cadre du développement de notre province, des infrastructures sanitaires, éducatives, agricoles, des points d'eau, d'électricité, des routes, d'infrastructures et les problèmes de territoire. Pour finir, le comité d'organisation reconnaît certes, comme vous avez témoigné, cette fête est un grand succès, mais elle a aussi des insuffisances. Le comité s'excuse de tout manquement constaté. Pour Hawa Adam, originaire de la dite localité, cette cérémonie a été une réussite et a permis aux ressortissants de différentes provinces de partager leur expérience sur des thématiques telles que le mariage précoce, la scolarisation des filles et la lutte contre l'alphabétisation. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations de reconnaissance aux autorités locales. Et puis, signature ce matin d'une convention entre le cabinet Crèche Avocat et la maison de la femme relativement aux violences basées sur le genre. Précision, Falambi Soulka. La signature de convention entre la Maison nationale de la femme et le cabinet Crèche Avocat porte sur la prise en charge juridique et judiciaire des femmes victimes de violences. Nous espérons que les femmes puissent également se confier, parce que souvent ce sont des cas qui sont des cas de plus ou moins de tabou. Les femmes ont du mal à s'exprimer dans le cadre de ce genre de violence. Désormais, vous savez que vous pouvez compter sur des avocats qui sont chevronnés sur les questions de droit pénal ou de droit de la famille et qui peuvent vous éclairer. La directrice générale de la Maison nationale de la femme se félicite de ce partenariat entre son institution et le cabinet Crèche Avocat. Amina Priscille Longo a saisi cette opportunité pour lancer un appel à d'autres organismes à emboîter le pas du cabinet Crèche Avocat. Cette convention que nous signons aujourd'hui avec le cabinet Crèche Avocat SCP vient à point nommé et renforce la prise en charge des femmes victimes de violences. Et vous savez, nous sommes aussi en train d'entamer les 16 jours d'activisme qui, dans le monde, font un peu la promotion des droits des femmes. Nous lançons aussi l'appel à d'autres partenaires qui, d'une façon ou d'une autre, sont prêts à nous accompagner. Cette convention, qui couvre une période de 3 ans renouvelable, prévoit la prise en charge de 25 cas de violences faites aux femmes par an. Les travaux de l'atelier des producteurs et autorités administratives sur le projet Revanche implanté dans le département de Ouara se sont achevés. Objectif réduire la pauvreté dans cette partie du pays et renforcer ainsi la résilience. Kamarga Bakoumi. Le projet Revanche, implanté depuis bientôt 3 ans dans la localité de Mangalmé, dans le Guéra, Ouara, dans le Wadaï, et Bultine, dans le Wadifira, vise à réduire la pauvreté et renforcer la résilience des populations bénéficiaires. Durant 3 jours, une cinquantaine de participants ont passé en revue toutes les activités de ce projet piloté par Africaire International Tchad. Le responsable du projet Revanche, Derombe Mai Romke, a dit qu'il est nécessaire d'écouter les producteurs et de donner leur appréciation de ce qui a été fait par ce projet qui tire à sa fin. Pour le chef de projet, l'objectif recherché est d'arriver à changer la situation socio-économique de la population face au changement climatique.
Il a salué la franche collaboration des autorités locales des trois provinces qui a permis à son institution de réaliser toutes ses actions au bénéfice des populations. Le vice-président du comité départemental d'action, Zakaria Marouf Barka, représentant la secrétaire générale du département de Ouara, s'est réjoui du résultat des travaux qui va servir de base aux autres partenaires au développement. Il a enfin rassuré les organisateurs que les recommandations seront transmises par les voies les plus appropriées à ces illustres destinataires. Et puis cet acte du chef de l'État que nous découvrons en même temps que vous, qui porte le numéro 2007. Voilà, portant rétrogradation d'un officier général des forces armées et de sécurité. Le général de brigade Ibrahim Souleymane Bachar des forces armées et de sécurité est rétrogradé au grade de colonel pour manquement à la discipline militaire et insubordination. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature. Sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 23 novembre 2019. Idriss Déby, Itno. La suite de cette édition, les responsables de l'organisation non gouvernementale SOS Elephant avec l'appui financier de la Commission du bassin du lac Tchad et la Banque africaine de développement ont organisé un atelier de formation sur l'apiculture au profit des agriculteurs, objectif diversifier les activités génératrices de revenus de la population rurale. On fait le point avec Mamad Souleymane. Pour diversifier les activités génératrices de revenus de la population du monde rural, l'organisation non gouvernementale SOS Elephant, appuyée par ses partenaires financiers, forme les agriculteurs sur l'apiculture. Plus de 200 agriculteurs du département de Mayo-Lemie bénéficient de cette formation. Ceux des cantons Mitou sont les premiers à être formés dans ce domaine par les agents locaux de l'Agence nationale d'appui au développement rural. Le chef des cantons Mitou, Omar Mamadi Bang Bousso, tout comme le directeur de conservation de la faune et des aires protégées, Abdraman Chaibo, salue l'initiative. La présidente de SOS Elephant souligne que cette formation permettra aux bénéficiaires de générer des revenus. Pour le coordonnateur régional du programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques, cette initiative cadre avec les activités de la commission du bassin du lac Tchad et vient épauler le gouvernement dans ses activités environnementales. La composante protection des éléphants cadre parfaitement avec l'axe conservation de la biodiversité du plan d'action stratégique de la CVLT et vient en appui aux efforts du gouvernement du Tchad avec à sa tête son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, dans le cadre de la protection et de la conservation de la faune sauvage. De son côté, le préfet du département de Mayo-Lemie relève que la protection de la biodiversité est l'une des préoccupations des plus hautes autorités du pays. La gestion des ressources naturelles est une préoccupation et grande en vigueur aux dimensions à la fois humaines et naturelles de l'État tchadien. Des matériels constitués, des ruches et d'autres accessoires de travail ont été remis aux participants. Ceci pour encourager ces derniers à pratiquer l'apiculture. Et puis l'opération École d'abord se poursuit dans le Bata Est. Les membres de cette initiative se sont rendus dans la sous-préfecture de Kunduru pour sensibiliser les parents et les élèves sur l'importance de la scolarisation. Mamater Djibrinalour. À la différence des zones précédemment visitées, ici à Kunduru et ses villages, le préfet Fatoumé Boukar Kossey a remarqué que les cours ont déjà commencé il y a plusieurs semaines avec une présence remarquable d'enseignants et d'élèves, hormis quelques exceptions. Le préfet et sa délégation, composée de l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Kunduru, Ahmad Adoum, du représentant de l'inspection départementale de l'éducation nationale du Bata Ouest, des responsables du syndicat des enseignants et de la
la société civile ont également visité plusieurs écoles à Kunduru, Djohane, Chibina et Abroki. À Abroki, par exemple, après des échanges avec les élèves, le préfet a découvert que certains ont brûlé les étapes. Séance tenante, il a été décidé de les ramener en classe inférieure. À Djohane, les élèves de tous les niveaux sont encadrés par un seul maître communautaire. Celui-ci déplore l'attitude des parents qui refusent de payer les fournitures scolaires de leurs enfants. En leur souhaitant une bonne année scolaire, le préfet a demandé aux parents d'assumer leurs responsabilités et de s'occuper des enseignants, en particulier les bénévoles. Les membres de la plateforme multifonctionnelle du groupement des femmes de Bol dans le lac ont donné un coup de balai ce matin au marché moderne et à l'hôpital provincial. Mamad Boulmi. Munis de balais, râteaux, pelles, brouettes que les femmes membres de la plateforme multifonctionnelle de Bol ont pris d'assaut le marché moderne de Bol puis l'hôpital provincial. Ces courageuses femmes venues des villages de la commune de Bol et celles de la ville de Bol ont initié cette journée de salubrité après une assemblée générale tenue il y a quelques jours. Après les marchés modernes, les femmes se sont dirigées vers l'hôpital provincial. Selon la présidente de cette plateforme, Ami Adoum Abdoulaye, cette descente est un acte de citoyenneté des femmes de la commune de Bol, tout en indiquant que cette salubrité sera faite chaque mois. Le maire deuxième adjoint de la commune de Bol, Maman Moustapha Koulbou, a salué cet acte de citoyenneté posé par cette plateforme de groupement féminin et appelle les autres organisations féminines à emboîter les pas. Créée en 2013, cette plateforme multifonctionnelle regroupe 160 groupements féminins. L'association des jeunes ambitieux du Tchad entre en action dans la scène de la société civile et c'est à Koundoul, dans la province du Chari-Bagrimi, que le président de la nouvelle association entend promouvoir la jeunesse tchadienne à travers des séances de sensibilisation sur la préservation de la paix. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est promouvoir, réunir tous les jeunes ambitieux du Tchad. La JAT souhaite œuvrer pour une meilleure prise en charge des jeunes entrepreneurs dans leurs projets divers, dans la créativité, et permettre à la réinsertion des jeunes dans le social. La JAT est actrice en matière de conseil en entrepreneuriat jeune, la sensibilisation pour la paix, la non-violence en milieu de jeunes. Elle se propose d'être un lieu d'échange et de compétences entre les membres de l'association. Ainsi, AJAT pense venir en appui et aider les jeunes qui ont perdu l'espoir, des jeunes qui n'ont que la drogue comme solution à leurs problèmes. Des projets de formation en divers domaines techniques dont seront initiés en faveur de ces jeunes, en lien avec la spécialité voulue. Et notre jeune association, officiellement en activité à partir d'aujourd'hui, lance un appel à tous les jeunes qui ont des idées de créativité de se joindre à nous et de se joindre à nos objectifs définis afin d'unir nos projets. Voilà donc le président de l'AJAT, Aaron Padaké. Il a soutenu sa thèse, nous sommes en culture bien sûr, il a soutenu sa thèse à Yaoundé au Cameroun sur le thème grammaire du bébot, phonologie, morphologie et syntaxe, avec la mention très honorable de retour au pays. Madirade Yafet a restitué ce matin son document à la communauté scientifique et présenté en même temps son œuvre intitulée « Funérailles dans les milieux bébo ». Cas de Doyengar Alphonse, l'ouvrage est édité par la maison Cheikh Anta Diop de Dakar. Angal Toklok. Dans le paysage littéraire arrive Madirade Yafet. Docteur en linguistique générale, puis écrivain, il fait ce jour la restitution de sa thèse à la communauté scientifique, puis présente un livre au lecteur. Grammaire du bébot, phonologie, morphologie et syntaxe, et funérailles dans les milieux bébot, cas de Ndoyangar Alphonse Nodimbang, sont les intitulés de ses œuvres. Des thèmes qui mettent en avant la culture du peuple bébot. La langue bébot fait partie des langues en danger.
en travaillant ici, nous allons fixer le système de l'écriture de la langue. Ça nous permet d'avoir le matériel didactique et diversifier le domaine de la langue. C'est une manière de sauver la langue. La thèse qui a valu la mention très honorable avec félicitations du jury à Yaoundé au Cameroun et le livre de 204 pages subdivisé en deux parties sont appréciés à leur juste valeur par les parents, amis, connaissances et autres autorités présentes à la cérémonie. Le directeur de la culture et des arts, Mbaïla Sembayo, émet le vœu de voir la langue bébote, objet de ses productions, inscrite sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Son collègue, conseiller juridique au ministère de l'Enseignement supérieur, Obendé Dieudonné, souhaite lui que les autres enseignants-chercheurs emboîtent le pas au docteur Madirade Yafet. Du même auteur, l'on trouve des poèmes, des nouvelles et des pièces théâtrales. Un nouvel ouvrage également sur le marché, La main du destin, c'est le titre du roman de Dandela Oubélé d'Amaïr qui a été présenté ce matin au CFOD. Le point avec Ngarsi Thiemi. La main du destin est un roman écrit par Dr Dandela Oubélé d'Amaïr, paru aux éditions L'Harmattan en France. La main du destin est une œuvre de fiction tirée des faits réels. L'auteur parle d'une histoire d'amour entre Mbaye, étudiant en France revenu passer quelques temps au Tchad, et Julie, une lycéenne de 19 ans. Pour s'excuser de lui avoir volé sa virginité, en ayant profité de son état d'ébriété, Mbaye fait à Julie une promesse de mariage qu'il officialise le jour même. Ça s'est terminé à cette étape-là par la promesse de mariage. Le garçon est parti en France pour attendre que le mariage officiel soit organisé pour que sa femme le suive. Malheureusement, les événements tragiques que nous avons vécu se sont abattus sur le pays. La main du destin, composée de 117 pages, parue aux éditions L'Harmattan, est une œuvre poignante qui raconte la descente aux enfers d'une innocente fille, élevée dans la rigueur d'une famille profondément croyante, mais victime de déviance sociale. Le roman est disponible à la librairie La Source au prix de 14 euros, soit 10 500 de nos francs. Voilà, ainsi s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.